Bonjour, je m'appelle Dominique Normand et je suis orthopédagogue à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Babouchka, mettant en œuvre de jolies poupées russes. Ce jeu individuel, s'adressant à une clientèle de 6 ans et plus, est fait de pièces colorées très attrayantes pour les enfants. En plus de développer leur capacité à réfléchir, à analyser et à planifier. Il développera également leur inhibition, puisqu'un déplacement trop rapide sur la planche de jeu pourrait grandement nuire à la réalisation du problème. Le but du jeu est de regrouper sur une même case grand-mère Babouchka et ses petites filles qui se sont aventurées sur la glace en cette journée d'hiver glacial. En chemin, elles devront effectuer des déplacements latéraux et utiliser les obstacles présents sur le plateau de jeu pour éviter de glisser vers l'extérieur. Réussiront-elles à entrer à la maison sans embûche? Puisqu'ils développent l'inhibition, le jeu Babouchka est très intéressant pour les enfants qui ont tendance à agir rapidement, sans trop réfléchir à la justesse et à la pertinence des gestes qu'ils posent. Également, comme l'enfant doit tout d'abord analyser le positionnement de chacune des poupées sur le plateau de jeu et par la suite planifier leur déplacement, ce jeu devient intéressant pour développer deux habiletés extrêmement importantes en résolution de problèmes mathématiques, soit l'analyse et la planification. Finalement, ce jeu composé de 60 niveaux de difficulté gradués est excellent pour l'enfant qui a parfois de la difficulté à s'arrêter, à réfléchir et à analyser une situation dans sa globalité. Amusez-vous à vos babouchkas!